Hey yo les amis, voilà comme vous avez vu dans le titre, un très gros unboxing va avoir lieu sur la chaîne. Et c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter cet unboxing. Franchement, c'est un unboxing que pas mal de gens attendaient depuis un bon bout de temps. Et ben il est là, le carton est là, il restera plus qu'à le déballer. Et on va déballer ça mais juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Regardez-moi cet unboxing de malade mental, parce que la caisse elle est franchement big, encore une big caisse. Voilà. Ça nous provient, comme vous l'avez vu, de notre cher ami Amazon. Alors que peut bien contenir cette caisse? Et ben je vais vous le montrer dans quelques secondes, le temps que j'ouvre cette petite boîte. C'est quelque chose que pas mal de gens, enfin pas mal d'entre vous, attendent avec grande impatience. Tada! La fameuse PlayStation 4, les amis, du concours que j'organise. Donc n'hésitez pas à passer voir sur la petite vidéo qui est sortie depuis un petit temps maintenant pour participer. Le concours est valable jusqu'au 21 janvier, je le rappelle. Enfin, le tirage se fera le 20 janvier, mais vous pouvez encore participer le 20 janvier, il n'y a pas de souci. Enfin, le 21 janvier, même si vous voulez. Car je pense que le tirage se fera le 21 janvier dans la journée, je pense. Hein, ou peut-être le 21 janvier au soir, on ne sait pas encore, on verra. Donc, voici la fameuse console PlayStation 4. Comme je vous l'ai dit, qui contient bien sûr 3 jeux. Voilà, donc ça c'est le gros concours de fin d'année. Bon, qui se terminera au mois de janvier, mais c'était le concours pour de fin d'année à la base. Pour remercier tout simplement tous ceux qui ont participé, Utip, Otipi, qui participent aussi au bien-être de la chaîne. Donc, pour participer, c'est très simple, vous allez sur la vidéo concernant la console, donc concernant le concours de la console. Il suffit juste de répondre à une petite énigme et bien sûr d'être abonné à la chaîne et surtout d'avoir les abonnements ouverts. Ça, je le répéterai jamais assez, parce que malheureusement j'ai dû supprimer quelques participations car vous n'avez pas les abonnements ouverts. Ici je vais me permettre de l'ouvrir pour contrôler quand même si tout est bien présent dedans. Hein, mais elle est neuve, comme vous le voyez. Je vais vous montrer, hein, regardez. Hop, il y a le petit seau qui est là. Mais ici, je vais devoir l'ouvrir quand même, pour quand même faire un contrôle avant de l'envoyer au gagnant, pour voir si tout est bien présent et surtout voir un petit peu si les jeux qui sont présents à l'intérieur sont en boîte ou s'ils sont en version des boîtes. Et à propos de jeux aussi, je vous rajoute en plus de ces magnifiques 3 jeux, car il y a quand même 3 bons jeux. Ratchet & Clank, il y a le Spyro, la trilogie de Spyro qui est franchement une tuerie. Et il y a aussi le CTR qui est un jeu très compliqué d'ailleurs, qui reprend un petit peu les mécaniques de Mario Kart, mais jeu très dur. Et bien en plus de ça, je vous rajoute Homefront The Revelation et Battlefield 1 en plus. Voilà, 2 petits jeux supplémentaires, donc ce qui vous fera une console avec 5 jeux les amis. Donc nous allons ouvrir ceci. Je vais essayer de décoller le macaron sans le couper. Comme ça vous aurez le plaisir de le découper vous-même. Mais je pense que je vais le couper quand même, parce que sinon je vais arracher la boîte. Voilà. Alors
chez PlayStation, ça c'est toujours la grosse misère, c'est le que la qualité du carton est franchement dégueulasse. Donc il faut vraiment faire très attention en ouvrant la boîte pour ne pas la déchirer. Car leur carton est vraiment très très merdique. Regardez-moi quand même ce magnifique cadeau qui est juste oufissime. Si vous vous rappelez, il y a je crois que c'était un an ou deux, j'avais déjà fait organiser un concours pour faire gagner une PS4. D'ailleurs, je tiens encore à m'excuser pour le concours qui a été annulé. Mais il a été annulé tout simplement parce que je suis tombé sur un partenariat vraiment misérable, très 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 misérable. Mais ce coup-ci, vous voyez, elle est là. Donc, nous avons bien sûr, alors en fourni, le petit câble HDMI. Voilà, il est bien présent. Si vous avez une télé 4K, je vous conseille quand même de changer ce câble-là, parce que c'est un câble de bas, c'est vraiment une merde. Prenez un câble avec les bords, enfin avec les branchements en flaqué or, meilleure qualité d'image, parce que ce câble HDMI là c'est vraiment de la merde. Nous avons bien sûr le magnifique petit casque audio que PlayStation nous fournit, quand je pense que cette saloperie là vaut 15 balles, enfin entre 8 et 15 euros 9, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Mais bon, ensuite, nous avons la petite manette, voilà, qui est franchement entièrement neuve. D'ailleurs, le plastique, je n'aime toujours pas ce plastique, parce que ça glisse énormément, mais bon, ça reste quand même une bonne petite manette, même si personnellement, je préfère les manettes pro, donc avec l'analogique déporté juste ici, un peu à la manière des Xbox, et ici, la croix multidirectionnelle ici. Mais bon, pour commencer, une petite manette PS4, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je vais vous donner une petite info par rapport à la PS5, à la manette PS5. On n'aura plus le bandeau ici lumineux, qui est ici, et à la place du mini USB, ce sera un USB type C, et apparemment il n'y aura pas d'écran sur le pavé tactile, mais le pavé tactile sera toujours présent. Ça c'est par rapport à la manette de la PS5, qui je vous rappelle, sort normalement fin 2020. Donc, voilà, donc petite manette bien sympa. Ensuite, ben, on a les papiers habituels qui sont tous présents, donc ça c'est cool. Donc ça c'est le petit papier, le petit fascicule qui vous dit bienvenue dans le monde de PlayStation. Ici, ce sont les papiers de garantie classiques, hein, guide de sécurité, que personne ne lit, mais il faudrait quand même le lire une fois. Et ça c'est le petit papier de garantie, que je vous recommande de lire aussi. Pour éviter certaines surprises par rapport à PlayStation. Ensuite, nous avons le petit câble d'alimentation qui est présent également. Un autre câble. Ah, ça par contre, j'avais pas vu ça avec la mienne. Il y a le câble aussi pour recharger la manette. Et ça, par rapport à la mienne, je l'avais pas eu ça. Donc ça, c'est plutôt cool qu'ils en mettent un quand même. Donc le petit câble de rechargement de la manette. Et voilà, c'est tout ce qui concerne les accessoires de base fournie avec. Donc ici, on va essayer de sortir la console. Donc à mon avis, je pense que les jeux qui sont fournis, bah malheureusement, sont en version dématérialisée. Ça, j'ai mis à temps. Ah, quoique, j'étais peut-être parlé un peu trop vite. J'ai parlé un petit peu trop vite, les amis.
Et oui, j'ai bien parlé trop vite car ils sont en version physique. Ah bah ça franchement les gars, c'est vraiment le cadeau ultime alors. Hein. Car ils sont bien en version. En version physique, bien sûr sous blister. Donc la console, je vais pas. Bah, je vais quand même vous la montrer, allez, on va être fou. On va vite se la déballer. Voilà. Donc la petite console qui était gagnée. Donc à l'arrière, on repère évidemment les branchements habituels. Donc ici l'alimentation, ici vous avez un câble auxiliaire, vous avez l'HDMI, le câble RJ45. Ici vous avez une fameuse trappe ici qu'on peut enlever pour remettre un autre truc. Je crois que c'est le disque dur qui est là-dedans. Il me semble, si je ne me trompe pas. Aération sur le côté ici. De l'autre côté également, car elle chauffe quand même relativement pas mal. C'est un des défauts de la PlayStation. Ici, un truc que j'avais jamais remarqué, mais ils reprennent les boutons de la PlayStation, donc le carré, le triangle, ainsi de suite. De l'autre côté, bon, on a tout simplement les logos HDMI, DTS, Dolby et le Blu-ray. Voilà, et à l'avant, bah, on retrouve tout simplement le manche disque, le bouton play eject et les deux USB. Donc un USB ici, un USB là, ça serait vraiment la console classique de chez classique. Donc version 1 Tera. Mais ce qui est vraiment cool, c'est les jeux qui sont fournis avec. Donc vous avez le Ratchet & Clank en boîte. Bon, évidemment c'est la version PlayStation Hit, donc c'est un petit peu dommage parce que j'aime pas trop le design avec le gros PlayStation Hit. Bon, c'est un petit peu comme les jeux PS2 et PS1, PS2 et PS3 en version platine et tout ça. On avait un visuel un peu différent. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, ça représentait. Donc, je veux dire que quand même, les versions PS4 sont un peu plus jolies. Car on avait ça à l'époque. Voilà, sur PS3. Les versions Platinum. Après, il y avait d'autres versions encore qui existaient. Que c'était marqué Platinum, mais avec un encadrement autre que le jaune. Voilà, ça, c'est la version Platinum PS2. Donc, on va dire que le design ici PS4 est quand même un petit peu plus sobre. Ça respecte quand même l'artwork d'origine de la boîte, enfin du jeu quand donc. Donc premier jeu, donc pour vous donner par exemple si vous avez des jeux là-dedans pour le gagnant, bah si tu n'aimes pas ces jeux-là, bah ils sont sous blister, donc celui-là je crois qu'ils vont encore à peu près 15 euros. Donc tu pourrais éventuellement le revendre si tu n'aimes pas bien sûr. Tu as le CRT, donc Crash Bandicoot version Mario Kart, celui-là je crois qu'ils vont encore à peu près 20 euros. Et celui-ci, il n'est pas en PlayStation Hit en plus, donc sous blister en plus, donc tu peux le revendre neuf, donc 20 euros. Et ici, par contre, ça n'est pas marqué comme quoi c'est qu'on ne peut pas le vendre. Ah si, voilà. C'est marqué derrière, ne peut être vendu séparément. Bah, tu comprends bien que les gens, ils en ont un petit peu rien à cirer, tant qu'ils ont le jeu complet sous blister en plus, donc voilà. Donc le deuxième jeu. Et le troisième jeu que je trouve franchement mais super cool. C'est les Spyro en version trilogie, donc tu as les trois jeux inclus dedans, en version remasterisée, donc ce qui fait au total 5 jeux. Car ici il y en a 3, 4 et 5 jeux avec celui-ci. Donc franchement, les amis, très 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 joli cadeau que je vous fais pour vous remercier de me soutenir, que ce soit sur le Utip, sur le Tipeee, remercier également les gens qui m'ont fait quelques dons. Remercie également les sponsors aussi de la chaîne, donc un grand merci à ADN et à Claude for Life. Donc voilà le petit concours PS4 les amis, qui commence à prendre forme. Donc je vous rappelle que pour participer, il suffit de se rendre sur la chaîne, aller sur la vidéo concernant le concours PS4, de répondre à l'énigme, mais chose très importante, parce que l'énigme est super facile, vous allez sur internet, vous la trouvez facilement, enfin vous trouvez la réponse facilement. Mais le truc plus important, c'est ouvrir vos abonnements et être abonné à l'actif, être abonné à la chaîne. Et si possible, être actif bien sûr. Donc voilà les potos, une magnifique PlayStation 1, 1 Tera, avec 5 jeux. Donc il y a 3 jeux, mais celui-là il en contient déjà 3 lui tout seul. Donc il y a 5 jeux, plus 2 autres jeux que je vous rajoute qui sont ici. Donc ce qui vous fera un total de 7 jeux. Et bien sûr... la manette
Voilà, entièrement neuf, hein, tout est neuf. Les papiers de garantie, les explications et tout et tout. Les différents petits accessoires, donc le cordon d'alimentation, le cordon pour recharger la manette, le magnifique casque 1.0. Là je l'ai mis, mais comme je vous l'ai dit, je vous le recommande de le changer si vous avez une télé 4K. Donc franchement, j'espère que ce concours là vous fera plaisir. Et je vous souhaite encore une fois bonne chance à tous et n'hésitez pas de participer. C'est entièrement gratuit les amis.